Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très rapide pour vous présenter le Art Journaling Challenge du mois de septembre sur mon groupe Scrap et Récréation avec Paola. Ce challenge a lieu tous les ans au mois de septembre, enfin ça sera la troisième année qu'on va le faire. Et c'est un petit challenge où on crée une page tous les jours. Alors, qu'on s'entende bien, aujourd'hui on est le 15 août. Je donne les thèmes toujours le 15 août pour qu'on puisse commencer à se préparer. Choisir son carnet, choisir ses images, ses phrases, ses mots, tout ce qu'on veut. Et on peut même commencer à s'avancer. L'important, c'est de poster, de ne pas poster les pages en avance. Je voudrais que vous postiez une page sous le groupe. Il y aura des albums qui sont créés. On peut les poster le jour même ou on peut les poster après. Mais jamais avant, bien sûr, puisque l'album sera créé le jour même. Donc, je propose ça 15 jours à l'avance parce que je comprends bien que c'est pas toujours évident de faire une page par jour. Moi-même, je ne peux pas les faire au jour le jour puisque je poste une vidéo à 8h du matin. Donc, j'ai une page d'avance pour pouvoir vous poster les vidéos à 8h du matin. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose tous les thèmes 15 jours en avance pour que vous ayez le temps de préparer votre carnet, vos images et tout ce que vous voulez. Donc moi, personnellement, cette année, je vais travailler sur ce carnet. Donc c'est un carnet Arteza que j'ai trouvé sur Amazon. Il fait 230 grammes. C'est un carnet aquarellable, enfin aquarelle, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, j'ai déjà travaillé sur un autre carnet pour le premier challenge qu'on a fait et il est très bien, moi j'aime bien, voilà. Donc, je vais le travailler en ce sens, donc uniquement sur une page et sur l'autre page, bah, je ferai une petite déco, enfin quelque chose de simple. Oui, donc revenons sur le challenge en lui-même. Je ne vous ai pas donné la taille aussi, donc celui-ci fait 21 par 13 à peu près, hein. Donc on peut le travailler bien sûr comme ça, juste sur une page comme ça, comme on veut. Hein. Moi j'ai pris celui-ci, mais vous pouvez prendre absolument tout ce que vous voulez. La taille n'est pas imposée, vous pouvez prendre plus petit, plus grand, exactement comme vous voulez. Les seules choses qui sont imposées pour ce challenge, c'est une page qui sera postée tous les jours. Et tous les jours, ou un peu en retard, mais bon, après, c'est notre histoire. Mais normalement, c'est une page par jour, pendant les 30 jours du mois de septembre, avec les thèmes. Donc, par contre, les thèmes, c'est pareil. Il y a un thème qu'on peut adapter de plusieurs façons. Au fait, quand vous lisez le thème, c'est ce qui vous vient à l'esprit, à vous. Ce ne sera pas forcément la même chose qui me viendra à l'esprit, à moi. Donc chacun va adapter le thème à sa façon, à ses envies, à son matériel, à ce qu'il veut au fait finalement. Le tout c'est que la page rappelle le thème. Donc sans plus tarder, je vais vous donner donc le thème, les thèmes. Donc vous voyez, j'ai déjà collé sur mon carnet la présentation qui a été faite par Vanessa, qui est modératrice dans mon groupe. Et donc voilà. On a choisi les thèmes, c'est-à-dire que j'ai posé des questions sur le groupe, de donner des exemples de thèmes et tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné des thèmes et moi j'ai pris des idées et j'ai adapté les titres au fait. Par exemple, on m'a donné la rentrée scolaire et moi j'ai marqué en deuxième « L'heure de la rentrée a sonné ». Voilà, il y a des idées qui viennent de Vanessa, il y a des idées qui sont de moi, et il y a d'autres idées qui viennent du groupe directement. Donc, je vais vous lire les thèmes. Donc, en premier, on a « Que la fête commence ». Donc, encore une fois, à adapter selon ce que ça vous inspire, la fête qui commence. « L'heure de la rentrée a sonné, mes vacances d'été, des champubis en folie ». Des personnes qui sont sous le groupe comprendront. Affirmation positive, couleur Montalo, un cours d'élégance, liberté chérie, mon signe astrologique. Donc ici, bien évidemment, chacune ou chacun va illustrer son propre signe astrologique. Esprit cosy,
Une ville dans ce monde, le style steampunk est sorti. Des ailes pour voler, en mode monochrome. Affreusement mignon. Raconte-moi une histoire, utilisez un magazine ou une publicité. Ici, c'est pareil, on peut faire comme on veut. On peut utiliser l'image centrale d'un magazine, on peut juste utiliser des phrases, des mots. Voilà, c'est plus un esprit récup que je cherche à obtenir sous ces pages, sous cette page en tout cas. Après, on continue par Best Friends Forever. Un support différent. Donc, par support différent, je parle de la base. Donc, coller sur votre page un autre support que du papier, par exemple. Sentiment du jour, la saison des citrouilles est ouverte. Bas les masques, balade dans les tropiques, je dis waouh, un peu de vintage, en mode régressif. Ici, pareil, qu'est-ce qui évoque pour vous le mode régressif? La féerie du cirque, la musique dans la peau, bulle de savon et la cerise sur le gâteau. Donc, vous voyez que tous ces thèmes laissent beaucoup de possibilités ouvertes, que chaque personne interprète à sa façon. C'était le but. J'ai toujours voulu que les thèmes puissent être ouverts à plusieurs messages ou plusieurs façons de voir les choses. Donc c'est pour ça que j'ai adapté certains thèmes qu'on m'a donnés d'une façon à ce qu'on puisse les interpréter comme on le souhaite. Voilà. Sinon, pour tout le reste, comme je vous ai dit, tout est libre, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Donc, je vous mets la liste là. Je vais également la publier sur le groupe afin que tout le monde puisse l'imprimer ou pas, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser en présentation. On peut faire comme on veut, hein, mais au moins que vous ayez la liste sous la main pour que ce soit plus facile. Et puis, je vous mettrai sûrement à la fin de la vidéo également une petite photo de la liste, si vous en avez envie, bien sûr. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'espère que ce challenge aura la même vigueur et le même enthousiasme que les autres années. C'est toujours un moment très important pour le groupe. On aime beaucoup le mois de septembre pour ce challenge car c'est très animé, on voit des pages très 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 différentes et c'est ça que j'adore, hein. Si on doit tous faire la même chose, ça peut vite devenir ennuyeux et du coup c'est pour ça qu'avec un même thème on peut voir des fois 40, 50, 60 pages différentes. On a déjà vu des thèmes qui avaient plus de 120 pages différentes. Et franchement, c'est vraiment un plaisir de faire ce challenge à partir du moment qu'il y a des gens qui participent. Bien sûr, hein, on ne va pas faire un challenge si on est deux à participer, quoi, hein. Mais je sais que ce challenge, généralement, vous plaît beaucoup et c'est pour ça que je le maintiens. Encore une fois, je sais, vous m'avez dit, une page par jour, c'est beaucoup. Je le sais, je le fais moi-même, c'est assez difficile d'ailleurs car en plus de faire la page, bah, je fais la vidéo, je fais le montage, je dois l'exporter, etc. C'est des choses que j'aime faire mais que c'est très très... Enfin, ça prend énormément de temps en fait, hein, et donc je sais très bien que ça prend du temps et c'est pour cette raison que je vous dis bien et je vous le répète, je vous donne les thèmes 15 jours à l'avance pour que vous puissiez vous organiser au mieux et que vous puissiez faire comme vous voulez. Si vous voulez vous avancer, c'est OK. Si vous voulez juste préparer le carnet, les images, les titres, etc., c'est OK. Vous faites comme vous voulez. Il ne faut juste pas publier les pages, ni sur le groupe, ni sous d'autres groupes, ni ailleurs, avant que ce soit le jour J, au fait. Hein. Vous pouvez très bien, après, par exemple, le 1 septembre, vous publiez votre page sur le groupe dans l'album dédié, parce qu'il y aura un album. Pour chaque page, en fait, hein. Tous les jours, il y aura un album de créer pour que vous mettiez vos pages. Une fois que la page elle est publiée sur le groupe, bien sûr que vous pouvez la publier où vous voulez ailleurs. Mais le but, c'est vraiment qu'on découvre les pages le jour même, pas que vous commenciez à les poster avant. Ça sert à rien, en fait.
Voilà, c'est le but du jeu, c'est vraiment de le faire au fur et à mesure. À la base, la première année, c'était vraiment une par jour. Et d'ailleurs, je vous avais pas donné le thème, enfin, je vous avais donné le thème que la veille. Depuis l'année dernière, j'ai compris que pour vous, c'était un peu difficile pour certaines d'entre vous de faire une par jour. Et du coup, je le propose 15 jours à l'avance. Donc, c'est pour que vous ayez une certaine liberté, mais quand même en gardant et en vous demandant expressément de publier en premier le jour même sur l'album dédié dans le groupe. Donc, je vous rappelle, le groupe, c'est Scrap et Récréation avec Paola. Vous êtes les bienvenus si vous en avez envie. Bien sûr, il faut répondre à quelques questions à l'entrée. Rien de très dur, hein, je vous rassure. Hein, c'est juste pour savoir si vous êtes vraiment intéressé par le groupe ou si vous êtes tombé par hasard et que ça ne vous intéresse pas et que vous participerez pas de toute façon. Et donc, voilà, c'est juste ça. Je pense que j'ai plus rien à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et surtout, le mot le plus important de cette histoire, c'est que ce challenge, c'est fait pour s'amuser. Donc, on fait des pages faciles, des pages qui prennent pas beaucoup de temps, et on s'amuse tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt pour des nouvelles aventures. Bisous bisous!